Oui, beaucoup, beaucoup plus de monde. Honnêtement, nous, pour nous, ça a quadruplé notre chiffre. Après, c'est beaucoup, beaucoup en livraison via le service de la mairie gratuit, qui est bon, une bonne chose. Donc, on a pu livrer les gens qui étaient justement confinés chez eux. Pour moi, c'est toujours égal. Toujours égal. Ne changez rien. Pour nous, disons, c'est le port du masque surtout, parce que en travaillant, c'est un peu difficile. Après, bon, il faut jouer le jeu. Si ça peut permettre de faire en sorte qu'ils gardent le marché, c'est mieux comme ça. C'est plus difficile le service. Le client, il ne peut pas toucher la marchandise. C'est seulement un peu de confusion parce qu'il y a cela, il y a les barrages et personne ne peut pas toucher. On va dire globalement, voilà, pas tout le monde joue le jeu, surtout les plus anciens, parce qu'ils ont leurs habitudes et qu'après, pour eux, leur changer un peu leurs habitudes, c'est plus compliqué. Voilà, on essaie au maximum de faire respecter les règles. Après, c'est pas simple, c'est pas simple. Les clients, ils sont tous, il a un peu de test, il comprend tout. Actuellement, ils sont vraiment conditionnés pour le respect de la sécurité. Il pourrait y avoir des améliorations par rapport à certaines personnes qui sont pas toujours le masque mis correctement, mais sinon tout le reste est bien conditionné pour que les gens respectent les normes de sécurité. Bonne ambiance? Sans crainte, franchement, sans crainte. On aime cette ambiance parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait rigoler l'autre, donc on oublie qu'il y a le virus et qu'il faut qu'on se protège. Voilà. On parle un peu plus entre nous, c'est tout. Moi, je trouve que c'est très sécurisé. On voit vraiment que d'abord il y a de l'espace, comme vous le constatez. Et puis il faut aider aussi le commerce local. Ils sont très heureux d'être soutenus, ils en ont besoin. C'est une très belle initiative d'avoir laissé le marché de la Condamine ouvert pendant toute cette période. En définitive, la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas faire différemment. Alors on le fait. Il faut s'adapter, quoi. Voilà. Merci.